100 mètres féminin avec, vous le voyez au couloir numéro 9, Chiloni Calvert, la Jamaïcaine. Alors qu'on vient de, juste, Christine vient de me donner la position, Pascal, de Thomas pour la finale. Il sera au couloir numéro 6. Elle est pas belle, la vie ? Ah, ça fait plaisir. Il sera au combat. Entre Shubenkov et Richardson. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Maintenant, faut pas se faire surprendre. On en parlera tout à l'heure. On va peut-être regarder les filles avec Olesya Po au couloir numéro 3. Et puis, moi, j'attends beaucoup de Blessing Okagbare, médaillé d'argent au saut en longueur. La Nigériane est au couloir numéro 4, attention à elle. Il y aura également dans cette première demi-finale à suivre Freeman, l'américaine, au couloir numéro 6, la voilà, décidée, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 10,87, ce qui correspond exactement à la sixième meilleure performance mondiale de l'année, alors que Okagbare, elle, a réussi la deuxième meilleure performance mondiale en 10,79. Sachez que les deux premières sont qualifiées automatiquement pour la finale, plus les deux meilleurs temps de l'ensemble des trois demi-finales. Voilà, Blessing Okagbare. Ah, ça a bougé. Ah, il est long, le starter. Hein, il est long. Olesya Po qui est parti très vite, l'Ukrainienne, Blessing Okagbare. Et puis maintenant, Freeman en action avec Verena Zeiler qui est pas mal aussi. Et c'est Okagbare qui va gagner devant Freeman, mais j'ai l'impression qu'il est un peu long, le starter là. Oui, et puis Okagbare bougeait encore la jambe arrière qui a bougé un petit peu avant le coup de feu. Curieux, c'est vrai, ouais. Ces départs, on voit beaucoup de mouvements dans les blocs, hein. C'est pas stabilisé, ça c'est pas normal. 11-08 pour Okagbare, 11-08 pour Octavius Freeman, classé dans le même centième. Elles sont toutes les deux qualifiées pour la finale. Il n'y a pas de bobo, mais il pourrait en avoir, hein, parce que là, vraiment, on a connu ça sur 110 tout à l'heure, avec Ariès Merit qui était en difficulté. Et là, on voit la même chose. Alors que regardez, c'est pénalisant. La spécialiste de la salle, Olesya Po, sur 60 mètres, était partie très fort. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Verena Zeiler, un peu moins, pourtant elle est bien en salle, mais elle finit fort. J'ai l'impression que Freeman a fait un faux appui au départ.